La rencontre d'Alan, William et Kerr, chapitre 12. L'émotion ne fut pas moins grande lorsque le père et ses deux fils rejoignirent la ferme de Oaks Hill. Coral fut la première à les voir arriver et elle resta là un instant, paralysée de surprise. Puis la joie prit le dessus et elle se mit à crier « Maman, maman !» Elle rentra dans la maison en coup de vent tout en hurlant de sa voix perçante « C'est Ben, maman, ils l'ont trouvé, c'est Ben, il est vivant !» Elle ressortit en courant, sa mère et Bess sur les talons. Elles s'arrêtèrent au milieu de la cour, toutes les trois en larmes, et attendirent que les chevaux couverts d'écume viennent s'immobiliser devant elles. Esther, tout en murmurant le nom de son petit dernier, tendit les bras pour que John le lui confie. Mais l'enfant s'accrocha encore plus fort à son aîné. « Il ne faut pas le brusquer, » dit William d'une voix douce. « Laisse John le descendre tout seul. Il va bien, mais il a peur. » Elle porta sa main à sa bouche et recula d'un pas, en proie soudain à une angoisse inexplicable. Se rendant compte qu'il tenait toujours le manche du long fouet serré dans sa main droite, John le laissa tomber sur le sol. Son père mit pied à terre, prit les rênes de Dilly, puis l'aida à descendre avec l'enfant toujours agrippé à lui. Ensuite, MacDonald mena les chevaux à la barrière et y noua leurs rênes. Quand il revint, John avait réussi à déposer Ben sur le sol et à se dégager de ses bras. L'enfant s'accroupit et recula un peu, en grondant faiblement, comme un animal sauvage aux abois. Coral et Bess, à l'unisson, étouffèrent un cri, tandis qu'Esther poussait un gémissement de douleur. L'enfant était dans un état épouvantable. Ses cheveux hirsutes, longs et crasseux, accentuaient l'air farouche et fiévreux de son regard. Sa chemise n'était plus qu'une guenille et son pantalon ne valait pas mieux, avec une jambe arrachée au genou et l'autre en lambeaux. Il était pieds nus et sa peau, visage, cou, bras, pieds et jambes, et même son torse, étaient maculés de crasse et de boue séchée. Ses bras et ses jambes étaient remplis d'égratignures, certaines récentes, d'autres recouvertes de croûtes plus ou moins saines, et il avait la bouche crevassée de vilaines gerçures. Il était effroyablement maigre, encore plus qu'avant, et il semblait fort mal en point. Il jetait à droite et à gauche des regards en dessous, comme s'il cherchait par où s'enfuir. « Oh, Ben, Ben !» soupira Esther en s'approchant pour le prendre, mais il eut un mouvement de recul et il lui montra les dents en crachant comme un chat, un grondement sauvage du fond de la gorge. Elle eut un sursaut, s'arrêta, puis regarda son mari avec un air douloureux. « Laisse-moi faire, maman. » John se pencha vers l'enfant et lui tendit les bras. Le petit se remit à gronder, mais John s'approcha encore. Toujours accroupi, Ben considéra les mains l'une après l'autre et, pour la première fois, regarda John droit dans les yeux. Alors, il cessa de gronder et s'approcha à son tour. Très doucement, John lui posa une main sur l'épaule, puis il glissa son bras autour de la taille du petit garçon. « Viens, Ben, souffla-t-il, c'est fini, on est chez nous maintenant. Viens, on rentre. » Il prit son petit frère dans ses bras et Ben s'accrocha à lui, enfouissant à nouveau son visage dans la chemise du grand. « Je ne comprends pas, » murmura Esther, tandis qu'avec William et ses filles, elle suivait John dans la maison. « Comment a-t-il pu survivre si longtemps là-bas ? » Son mari se contenta de hausser les épaules. Il n'en savait rien non plus. Tout cela paraissait impossible. John porta son petit frère et le posa debout au milieu de la pièce. Lorsqu'il se dégagea des bras de Ben pour faire un pas en arrière, il eut encore, dans les yeux du petit, ce regard farouche de bête prise au piège. Il jetait des coups d'œil rapides aux tables, aux chaises, à la cheminée dont la hotte portait une carabine et des sabres croisés. Il regardait les lampes, les coussins, les images au mur et puis, un par un, il dévisagea ceux qui se tenaient dans la pièce. Ses narines se dilatèrent tandis qu'il humait les odeurs autrefois familières. Le pain qu'on venait de sortir du four et le lait chaud, la viande en train de cuire et les épices. Son air farouche se dissipa et il plissa le front. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. Un instant encore, il resta là, debout, et puis, comme si on l'avait brusquement allumé une lampe dans sa nuit, tout sembla s'éclairer pour lui d'un seul coup. Son visage s'adoucit, puis sa bouche se fronça en une moue de bébé et l'éclata en sanglots.
Alors, en trébuchant, il se précipita vers Esther en criant « Maman, maman, maman !» Elle le reçut dans ses bras ouverts, le soulagea en le serrant sur son cœur et se mit à le bercer en murmurant à son oreille, en le couvrant de baisers, et les larmes faisaient des rigoles claires sur la peau encrassée de l'enfant. Ben s'accrochait à sa mère avec une sorte de désespoir, ses pleurs mêlés aux siens, et ne tentait plus d'échapper aux autres qui s'agglutinaient autour de lui, tendaient leurs mains pour le toucher, esquissaient des caresses, des sourires et pleuraient. C'est William MacDonald qui se fit l'interprète de tous lorsque, soulevant le menton du petit, avec deux doigts, il planta sur sa joue barbouillée un baiser disant « Bienvenue, Ben, bienvenue à la maison, mon fils ». Mais les émotions de la journée étaient encore loin de leur terme. La famille avait à peine retrouvé son calme et John était en train de raconter comment il avait, près du terrier, tenu le blaireau à distance avec son fouet, lorsqu'à la porte d'entrée retentit un nouveau grondement furieux. Haletant, après sa longue course, le cou hérissé, les babines retroussées sur ses dents puissantes, la mère blaireau, ramassée sur le pas de la porte, les regardait fixement, prête à bondir. John et son père s'écrièrent « Attention !» d'une même voix. Les filles reculèrent en poussant des cris perçants. Sans perdre une seconde, MacDonald atteignit la cheminée et décrocha la lourde carabine à répétition, une Henry, de son râtelier. Ben se mit à hurler, à l'instant même où son père mettait en joue. Il se dégagea de l'étreinte d'Esther et, tout en émettant un jacassement bizarre, il courut vers la bête et lui entoura le cou de ses bras, lui faisant un bouclier de son corps. La grosse mère blaireau lui lécha la joue tout en continuant à gronder, les yeux fixés sur le reste de la famille. MacDonald tenait toujours son arme braquée, prêt à tirer dès que Ben ne ferait plus obstacle, quand Esther fit un pas vers lui et, d'un geste doux mais ferme, releva le canon de la carabine. « Non, Will, dit-elle, je n'y comprends rien, mais regarde-les, ils sont amis ces deux-là. On ne sait pas lequel des deux essaie de protéger l'autre. » Ben continuait d'émettre à voix basse un jacassement ininterrompu, un bras autour de la bête, la caressant de sa main libre, puis il posa sa tête au creux de son cou. La mère blaireau haletait toujours, la respiration sifflante, et continuait à gronder en sourdine, même si elle s'était considérablement calmée, même si de toute évidence la présence d'êtres humains la rendait encore extrêmement nerveuse. MacDonald hochait la tête d'un air incrédule, et John murmura comme pour lui-même « Qui aurait pu croire ça ?» Ce fut le début d'une période pleine de difficultés inattendues. Mais petit à petit, la mère blaireau devint un membre à part entière de la famille MacDonald. Elle ne permettait à personne d'autre que Ben de la toucher, mais avec lui, elle était d'une douceur étonnante. Ils étaient constamment tous les deux ensemble, et Ben refusait même de coucher dans son lit, préférant se lever par terre avec elle sur le plancher de sa chambre, où il partageait la vieille couverture qu'on avait installée pour elle et dormait un bras passé autour d'elle, comme naguère dans le terrier. Maintenant, c'était Ben, décrassé, soigné et récupérant vite grâce aux soins de sa mère qui s'occupait de la compagne sauvage, la nourrissait et la protégeait comme elle l'avait fait pour lui. On laissait toujours la porte ouverte pour qu'elle puisse aller et venir à son gré, mais elle ne quittait jamais Ben et ne mangeait que ce qu'il lui donnait. Au début, elle montrait les dents chaque fois que quelqu'un s'approchait de lui, mais il la réprimandait en jacassant fermement. Et dès le troisième jour, elle sembla comprendre que les autres ne voulaient pas de mal au petit garçon et cessa alors de s'hérisser en leur présence. Le reste de la famille s'était rapidement mis d'accord pour laisser faire le temps quoi qu'il advienne. Esther ne cessait de se dire que si un malheur arrivait à la bête, c'est Ben qui en souffrirait. Un soir, tard, après que toute la maisonnée fut endormie, elle confia à son mari « Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, Will. Je n'en ai vraiment aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que nous avons retrouvé Ben et que cela vaut tous les sacrifices. S'il veut la garder auprès de lui, jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse, nous le laisserons faire. Oh, William, on voit bien qu'il est attaché à cette bête et il faut accepter que ces deux-là partagent quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous devons les aider en tout cas. » Pendant une semaine, Ben mena une double vie,
tantôt courant à quatre pattes, grondant, crachant, jacassant et culbutant avec la mère Blaireau, du haut en bas des tas de terre, près du nouveau puits, pendant des heures, et puis, à d'autres moments, se comportant avec sa famille comme n'importe quel petit garçon de son âge. Le plus étonnant, d'ailleurs, c'est que maintenant, il leur parlait, à tous, comme jamais auparavant, et de toute évidence, il prenait grand plaisir à voir qu'on l'écoutait bouche bée. Car, pour la première fois de sa vie, Ben avait des choses importantes à raconter, des choses dont les autres étaient soudain curieux. Ce qu'il voulait savoir, surtout, c'était bien sûr ce qui lui était arrivé après sa disparition. Et il le racontait tout, pas de façon parfaitement chronologique sans doute, comme tous ses souvenirs se bousculaient dans sa mémoire, mais il leur livrait en vrac les épisodes de son histoire. Comment il s'était perdu, l'orage et comment il avait trouvé refuge dans le terrier, sa rencontre avec la bête et aussi la toute première fois dont il ne leur avait jamais vraiment parlé, cette première caresse à la bête sauvage peu de temps avant sa disparition et puis comment elle l'avait adopté et nourri. Il fut ravi de leur ébahissement lorsqu'il raconta qu'il avait soigné sa patte mutilée en la léchant, qu'elle lui avait offert son lait à téter et, après son refus, qu'elle lui avait apporté des œufs de poule sauvage et d'autres proies qu'elle avait capturées pour lui. Ils réussirent à dissimuler leur dégoût au récit des choses qu'il avait mangées. Et lorsqu'il expliqua où il s'était caché, le premier matin après l'orage, à la vue de George Burton, ignorant que celui-ci faisait partie des gens envoyés à sa recherche, ils comprirent mieux pourquoi personne n'avait jamais vu trace de lui, puisqu'il disparaissait chaque fois qu'il apercevait un cavalier. Cela expliquait aussi sa fuite à l'arrivée de John et pourquoi il l'avait attaqué et s'était tant débattu. Ce qui peut-être les étonna le plus fut son récit de la mort de Lobo, et ils en vinrent à se demander s'il n'inventait pas de toute pièce la moitié de ce qu'il leur racontait. Comment, en effet, ce petit bonhomme, fluet, timide et renfermé, avait-il pu attaquer à coups de dents un animal aussi effrayant que le grand chien gris-jaune ? Qu'il ait pu, même aidé de cette mère Blaireau, réussir à les tuer paraissait totalement invraisemblable. Mais lorsque John retourna chercher sa carabine, toujours plantée dans le sol, il resta absent longtemps. Il revint trempé, les bottes pleines de vase. Il prit ses parents à part et leur raconta à mi-voix, encore stupéfait, qu'il avait trouvé les temps où, selon Ben, le combat s'était déroulé. En fouillant dans les roseaux, il avait découvert le corps en décomposition du molosse à l'endroit précis indiqué par Ben. « Je l'ai inspecté sur toutes les coutures, » conclut John, en baissant encore la voix. « C'était à peine croyable. Le chien avait la gorge ouverte, déchirée, en lambeaux. Et j'ai examiné sa patte arrière. Elle porte la trace d'une morsure profonde, juste sur le tendon. » Après cela, plus personne ne douta de ce que racontait Ben. À mesure qu'il reprenait et développait ses récits, toute la famille était impressionnée par l'étendue de son vocabulaire, lui qui autrefois ne s'exprimait guère que par des monosyllabes. Il était maintenant évident que si, avant son aventure, il n'avait jamais beaucoup parlé, il avait en revanche écouté et retenu beaucoup plus de choses qu'on ne l'imaginait au milieu des conversations familiales. Et bien qu'à son retour, il eût pesé sensiblement moins lourd qu'avant, il avait à ses propres yeux, autant qu'à ceux des siens, acquis un poids inattendu. Il en était fier et parfaitement conscient. « Avant, dit-il, un jour très sérieusement, j'étais tout petit et tout le monde était très grand. C'est comme si tout le monde, même Coral et Bess, savait plus de choses que moi. Alors, c'était pas la peine que je parle, comme tout le monde savait déjà tout. Mais maintenant, je sais plein de choses que personne ne connaît, non ?» C'était bien vrai. Et au fur et à mesure que ses parents reconstituaient le puzzle de son histoire, les choses qui lui étaient arrivées paraissaient d'autant plus incroyables. Et il se rendait compte que, malheureusement, si son aventure venait à s'ébruiter, Ben ne pourrait jamais avoir une enfance normale. Il deviendrait pour tout le monde un objet de curiosité, une bête de cirque, un monstre qu'on affublerait de surnoms, Petit Blaireau ou pire encore. Il devait bientôt entrer à l'école, où il deviendrait la cible de ses sarcasmes et, desservi par sa petite taille, ne s'adapterait pas à la vie de la communauté locale. Ce dilemme fut résolu d'une façon qu'Esther qualifia de providentielle.
Le sixième jour après le retour de l'enfant, à ce moment-là, tous les membres de la famille MacDonald connaissaient la quasi-totalité de l'histoire de Ben par cœur. Deux visiteurs arrivèrent à Oaks Hill dans la soirée. L'un était le docteur Richard M. Simpson, que tout le monde appelait Doc Simpson. Il avait participé à la première journée de recherche, puis, après une courte absence, était revenu aider les MacDonald. L'autre était l'archevêque Peter Mantison de Winnipeg, qui était en visite chez son ami le docteur à North Connors. Doc Simpson lui avait donné des détails sur la disparition du petit garçon, dont l'archevêque avait vaguement entendu parler à Winnipeg. Comme son ami habitait tout près du lieu de résidence des MacDonald, l'homme d'église lui avait demandé d'atteler le buggy pour qu'il puisse aller rendre visite à cette famille durement éprouvée par la perte de leur enfant, espérant peut-être leur apporter un peu de réconfort. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à la ferme et furent quelque peu ébahis de découvrir que Ben était là et bien vivant. On leur raconta toute l'histoire en détail, en insistant sur l'embarras où l'on se trouvait si les circonstances de la survie du petit s'ébruitaient. L'archevêque resta un moment silencieux, se frottant le menton d'un air pensif, puis il s'éclaircit la voix. « Je n'hésiterai pas un instant à dire que nous avons là une manifestation de la miséricorde de Dieu. Cette aventure extraordinaire et le changement dont vous témoignez chez l'enfant depuis son retour » porte la marque de la divine providence. Je crois même qu'on pourrait parler ici d'un miracle mineur. Et d'ailleurs, peut-être pas si mineur après tout. Qu'en pensez-vous, Richard ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très franchement, si on m'avait raconté ça, j'aurais cru à une fable, mais... Il pointa le tuyau de sa pipe vers la chambre où Ben et la mère Blaireau dormaient l'un contre l'autre. Je n'ai pas besoin de préciser que je suis convaincue. Et c'est donc sous la forme d'un miracle que la nouvelle du retour de Ben se répandit à travers le Manitoba. Dans leur grande majorité, les gens respectèrent le souhait exprimé par les MacDonald que l'on ne fasse pas le tintamarre autour de l'enfant prodigue. Les voisins, sincèrement heureux pour sa famille, qu'on l'ait enfin retrouvé, louaient cette décision car bon nombre d'entre eux se sentaient quelque peu gênés, maintenant, d'avoir abandonné les recherches trop vite apparemment. Certains vinrent quand même par courtoisie et pour offrir leurs congratulations, mais en fait surtout pour voir le petit garçon qui avait connu une si extraordinaire aventure. Quant à Ben, sa timidité reprenait le dessus en présence d'étrangers et, hors du cercle familial, il s'exprimait peu et avec beaucoup de réticence. Cependant, à la grande surprise de ses parents, à leur grand plaisir même, il serrait gravement la main des visiteurs, même s'il ne leur disait pas grand-chose. Ils furent encore plus ravis lorsqu'il se mit à parler avec enthousiasme de la rentrée prochaine. Il restait moins d'une semaine de vacances, et tous les doutes qui les avaient naguère assaillis à ce sujet s'évanouirent. De toute évidence, Ben était maintenant prêt pour l'école. Restait un problème majeur, la mère Blaireau. Ben avait décidé qu'il l'emmènerait tous les jours avec lui en classe et rien ne l'en faisait démordre. Avait-on d'ailleurs le choix ? Rien n'était moins sûr, car elle continuait à suivre le garçon partout. Dans ces conditions, il semblait hélas qu'on alla rapidement au-devant d'une nouvelle crise dont personne pour l'instant n'entrevoyait la solution. C'est alors qu'un autre visiteur se présenta à Oaks Hill. Il s'appelait George Burton.